Seigneur franchit le pont. Viva! 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 Depuis 5 jours que ces chevaliers chevauchent à la recherche de Médiéval. Ils ont parcouru 300 kilomètres pour traverser le temps. Ce soir, ils ont enfin rejoint leurs compagnons du Moyen Âge. Oh, moi, c'est mon rêve, c'était mon rêve. Je peux pas rêver mieux de ça, là. Depuis hier, Québec replonge dans le temps. Ils sont venus plus de 1000 figurants de France et des quatre coins du Québec pour nous ramener à l'époque médiévale. 12 deniers la poignée, c'est donné. Ils sont tous là, les marchands, les gueux, les seigneurs, les musiciens. En 2 jours, ils ont effacé toute trace de modernité. Des milliers de personnes arrivent de partout pour sentir cette atmosphère. Je suis enchantée de tout voir ça. Même, je voulais venir hier, mais je n'ai pas pu venir parce qu'elle m'a mauvais temps. On voit les gens vivre au jour le jour, minute à la minute. C'est du vrai quotidien. C'est super le fun, les combats, tout. Ouais, j'aime ça. On rencontre du monde. Jusqu'à dimanche, la vieille capitale devient bourgade. Devient champ de bataille, devient lieu de rêve. Oyez, oyez! Entre dames et gentils seigneurs! Monia Manger à Québec. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.